Yo les gens, c'est Detox. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très bizarre, tandis que je filme avec mon téléphone pour l'unboxing, parce que ça sera sûrement une des dernières vidéos que vous aurez avant que j'arrive à avoir un Elgato. Donc je sais pas quand. Donc je l'ai reçu, ma petite Xbox One. Et donc, ma vieille Xbox pour les putains, puis là, puis vous voyez ma chambre. Waouh, truc de fou! Vous verrez pas ma tête. Ah, vous êtes dingue! Avec ma belle télé. Non, puis je trouvais ça intéressant de. Et puis bien sûr, Forza 5, parce que sinon c'est nul, tu vois. Puis aussi, j'ai Ghost, mais bon, ça c'est un peu nul. Tu vois. Donc, je vais le déballer à une main, ça va être génial. Parce que j'ai rien pour poser. Cette truc, je pensais l'avoir beaucoup plus tard. Mais en fait, je l'ai eu assez tôt. J'étais surpris de l'avoir aussi tôt, en fait. Parce que je m'attendais à l'avoir sérieusement juste avant Noël. Je me suis dit, vu le nombre de personnes qui l'ont commandé, moi je l'ai commandé il y a une semaine. Je me suis dit, je l'aurai jamais. Mais si, je l'ai enfin. Je suis tout excité, beaucoup. Et walou. Donc on va ouvrir. Petit que la poche, donc là on a un petit casque. Bon, après, vous avez déjà vu un unboxing, vous êtes pas bête, ok. Parce que vous avez le mien, il va pas être mieux que les autres, ok. Donc, juste montrer les trucs comme ça. Putain, par contre, j'ai pas de place sur cette putain de vieille table de merde. Excusez-moi les combos. Donc, un petit casque, la petite manette toute belle. Donc, je vais sortir avec une main. Magnifique quoi. Magnifique. Là, on voit un truc qu'on voit pas en réel avec le. Avec en filmant, c'est deux carrés là où je sais pas quoi. Non, c'est bizarre. Donc magnifique manette. Toute belle, toute légère. C'est incroyable comment elle est. Avec deux piles au dedans, je crois. Regardez. Ouais, deux piles. Des Duracell Pelo. Bon. On s'en fout. Ça c'est le câble HDMI. Dat Connect qu'on va sortir après. Donc des bouquins que je ne lirai sûrement pas parce que j'en ai rien à foutre. Câble d'alim. Et le petit boîtier d'alimentation qui est bien beaucoup petit en fait. Comparé au pavé. Je vous montre un peu le pavé de ma Xbox Fat. Donc le pavé de fou. Un pavé de Xbox Fat. On va dire qu'il est assez petit quand même. Ils ont fait petit. Donc, est-ce qu'on va pouvoir sortir ce truc là? Le câble. Et Dat Connect. Très joli. Magnifique. Des ventilos un peu partout. Elle est assez belle quand même. Cette petite Kinect, elle se visse. C'est génial. Bon, on va le poser là. Ouh, ça se retire, truc de fou. Et voilà là ce qu'on attend. Parce que le reste j'en ai rien à foutre. C'est ça. Je vais retirer les petits trucs polystyrène de cul. Le pire c'est que j'aurais même pas le temps d'y jouer ce midi. Je vais être bien deg. Alors on va la sortir tout doucement. Alors, une main c'est chaud. Ok. Zam, ouvre-toi. Mais elle est pas lourde en fait. Ils ont tout fait assez léger. Ouvre-toi, merde! Oh purée. Même derrière, elle est belle. Attendez deux secondes. Magnifique. J'espère que la mienne n'aura pas de problème. Donc je suis un méga chanceux. La chier de connectique qu'il y a derrière. C'est hallucinant. Il y a quoi alors? Il y a câble d'alimentation. HDMI out pour la télé.
Le S, je sais pas trop quoi là. Bif là. Je l'ai mis in. Tu vas faire une mise au point, oui. Une mise au point, petit truc de merde. Pourquoi on met un flash? Il y a le HDMI. Je sais pas trop quoi. Des USB. Le capteur Kinect. Le je sais pas quoi. Je pense que c'est pour une prise câble optique. Le câble Ethernet. Et la languette que je regarde si elle est pas un peu décollée ou pas. Voilà, un peu mal mise. Petite languette brillante là. Je pense que c'était. Et ça, c'est sûrement un truc pour enlever la coque. Je pense. Sinon, on va voir. Design général. Quand on la regarde comme ça, on voit bien le ventilo là, géant. Vous voyez ? Comme ça, on voit pas. Comme ça, on voit. Ok. Et sinon, elle est vraiment belle. Vraiment magnifique. Et ça va être un truc de fou cette console. Je pense que je vais geeker sur ces petits jeux. Par la suite, j'en aurai sûrement d'autres. Et dès que j'aurai quelque chose pour vous filmer, tout ça, ben, je vous filmerai tout ça en vidéo. Et puis walou. Et puis je mettrai sur la chaîne, tu vois. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous aurez vu une partie de moi, c'est-à-dire mes mains et mes bras. Et ben, vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo quand je pourrai filmer. Dans mon accent portugais. Et ciao, bye bye.